on arrive à la conclusion de cette session et j'aimerais céder la parole à Marie-Jeanne Richard, présidente de l'UNAFAM, hein, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, pour une première conclusion. Madame Richard. Oui, alors d'abord, avant de... Je crois que ce que je voudrais dire d'abord, c'est un grand merci pour ces trois webinaires qui viennent de se passer, parce qu'ils ont montré la dynamique de la psychiatrie et puis toute la dynamique de l'ANAP. Donc vraiment, merci. Alors, je vais revenir à ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, démarrer ma vidéo. Donc, aujourd'hui, nos téléphones, ils font tout, y compris téléphoner. Aujourd'hui, comme l'a dit le professeur Bonneau, les prouesses de l'intelligence artificielle sont complètement, on nous en annonce tous les jours. Et chacun d'entre nous, ce qui nous paraît important, c'est qu'on a conscience que le numérique, il a irréversiblement bouleversé nos modes de vie et transformé nos relations interpersonnelles. Et donc, mais cela amène un certain nombre de freins qui ont été identifiés au cours de cette intervention. D'abord, le fait que le numérique soulève la crainte que notre liberté d'action et notre libre arbitre soient entravés par ces nouvelles technologies. Et puis, ça a été dit plusieurs fois, et j'y reviens parce que ça me paraît important, il y en a d'autres pour qui les difficultés à utiliser le numérique les met hors jeu. Et on les entend dire qu'ils ont ce sentiment de regarder passer le train et donc il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas des risques d'exclusion. Donc, ce que pour nous, famille, ces outils, en tout cas pendant la crise sanitaire, nous ont réellement montré qu'ils pouvaient nous aider et aider nos proches pour aller vers une meilleure qualité de vie, et c'est quand même ça qui est le plus important. Cette meilleure qualité de vie, elle s'est déclinée par le fait de garder le contact, de garder le contact entre nous, de garder le contact avec nos proches, de garder le contact avec les soignants, d'avoir accès aux soins pour nos proches, ce qui n'était pas gagné. Donc, on a vu l'intérêt de ces outils numériques. Et puis, ces outils numériques, c'est aussi une possibilité d'avoir accès à de l'aide et à de l'information. Je voudrais revenir sur quelques points. Je ne sais pas si nous sommes en retard en France, mais l'important, c'est qu'on y aille. Je voudrais revenir sur le point de l'outil numérique comme outil d'information à destination des soignants, mais aussi un outil à destination des usagers, des aidants et du grand public. Donc, je crois que c'est vraiment un point important, c'est une opportunité vraiment importante que cet accès à l'information sur ce qui existe autour de chez soi, accès à l'information sur les traitements, accès à l'information sur les droits. Mais ceci n'est pas sans conséquence sur notre manière de nous situer par rapport à ceux que nous considérions jusqu'à maintenant comme les sachants. Alors, je voudrais revenir aussi sur un point qui est la formation des soignants. Au travers de ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que dès les bancs de l'université, il va falloir apprendre à former les soignants et à lever les freins. Un point essentiel aussi que je soulève et qui est vraiment important, c'est parce que nous, familles, on y est confrontés, c'est ce problème de coordination entre les acteurs. Donc, à l'heure de l'ambulatoire, à l'heure où on parle beaucoup des projets territoriaux de santé mentale, à l'heure où on parle de faire tomber les barrières entre le sanitaire, le social et le médico-social, comment ces outils numériques vont pouvoir aller vers ce nouvel ambulatoire qui nous a été proposé et vraiment très bien présenté dans le premier webinaire. Alors, un point important également qui me paraît important, c'est comment cette e-santé, qui est une opportunité formidable, dont on n'a certainement pas exploré encore toutes les facettes, comment bien négocier le virage, comment résoudre tous les problèmes éthiques pour qu'il y ait vraiment une amélioration de la prise en compte des personnes concernées. Et il me semble que ces outils doivent d'abord répondre à leurs besoins, d'où l'intérêt et vraiment le mot maître qui est la co-construction.
Alors, avant de terminer, il y a quand même quelques questions qui me viennent à l'esprit en écoutant les interventions. C'est comment, pour nous, famille, comment pour les usagers, se repérer dans le foisonnement des dispositifs? Il y en a beaucoup. On ne sait pas toujours s'ils ont été évalués. On ne sait pas si ce sont des dispositifs validés. Donc là, il y a vraiment un vrai souci très important et qu'il va falloir résoudre. Il y a aussi le problème du contrôle de la protection des données. Il peut y avoir une protection pendant la téléconsultation, mais toutes les protections des données, je crois que c'est un point important en termes aussi d'éthique. Et puis, ça n'a pas du tout été abordé parce que je pense qu'autour de la table, il n'y avait pas les personnes pour, mais il y a aussi le problème du modèle économique. On a vu que ce qui a été présenté a été effectivement aujourd'hui assez soutenu par les établissements de santé mentale, mais bien sûr que donc il sera important donc de réfléchir sur le modèle économique. Et donc pour la NAB, je pense que c'est là où peut-être toute leur plus-value d'accompagner le déploiement, de travailler aux bonnes pratiques et puis de travailler également à l'évaluation de ces dispositifs. Donc ces dispositifs, ils participent à l'homme augmenté, comme on le dit si bien, mais vraiment ne pas laisser des personnes sur le bord du chemin. L'électronisme existe et ce n'est pas parce qu'une personne sait utiliser un ordinateur, jouer dessus, aller sur YouTube, qu'elle sait utiliser le numérique. Donc vraiment, je crois que quelque part, les ergothérapeutes et puis certainement d'autres professions vont devoir aussi nous aider pour que les personnes puissent mieux être acteurs dans ces outils du numérique. On l'a réellement vu au travers de la prise de rendez-vous pour les personnes, pour la vaccination. Eh bien, c'était très, très difficile pour elles, même pour celles qui savaient utiliser le numérique. Donc, il y a toute une nécessité d'apprentissage. Merci. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Corinne Martinez, bonjour, vous m'avez rejoint sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes manager et responsable de projet santé mentale et psychiatrie. Un dernier mot de conclusion également. Merci Sophie. Alors, une mention tout à fait particulière et des remerciements très chaleureux pour Marie-Jeanne Richard et tout particulièrement pour Romain. Merci à tous nos intervenants et puis merci à vous hein, qui nous avez suivis pendant ces 3 jours. Petite précision, en téléchargeant donc notre petit livret, Le nouvel ambulatoire en santé mentale pour une vie debout. Eh bien, vous pourrez accéder aussi aux monographies et aux fiches pratiques qui vous apporteront tellement plus de réponses parce que nos intervenants vous ont décrit de façon, je dirais, à la surface de tout ce qu'ils font. Notre directeur général vous l'a dit, la psychiatrie, la santé mentale, eh bien, ça va constituer un axe très fort dans notre prochain programme de travail. Eh bien, pour tout cela, nous avons besoin de vous. Deux dernières petites précisions. Denis Leguet nous a dit, rappelez-vous, lors de la première session, il faut penser et exercer la psychiatrie autrement. Ben, vous voyez, nos intervenants ont déjà commencé. Autre référence, Jean-Luc Roland nous dit très régulièrement, arrêtons d'en parler, faisons-le. Eh bien, faisons-le. Et pour commencer à le faire, donc, 2 dates très rapides. 17 novembre, donc nous installons avec Vanda Yeclef la communauté de pratique sur les soins somatiques. Et puis le 7 décembre, vous voyez, c'est très rapide, Alina Morgossi et Julien Bonillard-Guerrero, eh bien, vont installer la communauté de pratique sur santé mentale pardon, et télésanté. Donc, dans ce cadre, je pense que les questions que vous avez posées, Marie-Jeanne, eh bien, elles seront prises en compte. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, eh bien, à très vite.
Merci Corinne. Alors moi, quelques mots aussi de remerciement. J'aimerais remercier la technique, hein, tous ceux qui sont derrière et qui ont rendu possible ces webconférences de façon parfaite. Orphée, Adeline, David et Lorelai, merci, un grand bravo à vous. J'aimerais remercier également l'accompagnement et le travail extraordinaire de toutes les équipes de la NAP qui m'ont aidé dans la préparation de ces webconférences. Merci. Merci, un grand merci chaleureux à tous nos intervenants pendant ces 3 jours et particulièrement à Docteur Doyen, Denis Gossa et Lindsay Brinuga aujourd'hui pour leurs propos de très grande qualité. Et puis merci à vous de vous être connectés nombreux, d'avoir participé. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de remplir l'enquête de satisfaction. On tient vraiment à savoir ce que vous avez pensé de ces sessions. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.